Toys de Alien Exploitant. Attends une minute. Non mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est à moi de faire ça. Ouais, mais je préférais aujourd'hui que ce soit moi. Tu préférais? Attends, je vais rafraîchir un peu la mémoire d'Oui. Non, non, oh, pas ça. Donc bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour cette vidéo sur le LDR Predator Hotel. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai eu affaire à un petit énergumène qui a tendance à m'énerver ces temps-ci. Bref, cet incident étant clos, alors je fais cette vidéo parce que on me l'a demandé. Voilà, donc je m'excuse du fait que en ce moment je me poste énormément de gameplay du jeu Transformers Dark of the Moon. Et que c'est vrai que ça fait, je pense, un petit moment maintenant, depuis le Chopper, que je n'ai plus fait de Hot Toys et tout ça, ça manquait un petit peu. Et c'est vrai que j'essaye de finir le plus vite possible parce que j'ai d'autres projets que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, un petit speech, vite fait. Alors cette vidéo m'a été demandée... Eh bien par XXNightmare75XX qui a un deuxième compte WolfHT38. Donc vous verrez les deux noms qui s'afficheront à la suite. En dessous, ben là. Juste là. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a demandé, c'est un abonné qu'on se connaît depuis Dailymotion. Donc voilà, c'est un... Donc je l'ai fait pour toi, en particulier, puisque tu me l'as demandé. Mais bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je fais exactement ce que vous me demandez. Et si vous avez d'autres Hot Toys que vous voulez que je réalise, ou même si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis prenant. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez vu aussi que je vous cite si vous me demandez que je vous cite. Donc par quoi commencer? Alors déjà ça va pas le faire. Alors je vais commencer directement à vous le dire. Donc c'est un très très vieux Hot Toys que je possède, que je l'ai eu quelques mois après le Chopper. Donc c'est tout simplement mon deuxième. Allez, voilà. Donc c'est vrai que le pauvre malheureux, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'il commence à vieillir tout seul. Voilà. Donc voilà, c'est une très très belle pièce, mais très vieille malheureusement. Donc je l'ai eu, comme je l'ai dit, il y a deux mois après le Chopper. Lui aussi, je l'ai eu à la somme de 95€. Donc imaginez un peu la chance que j'ai eue. C'est vrai qu'il est très abîmé au niveau de certaines choses, surtout que je vais vous montrer un petit peu dans l'ensemble, et aussi que je ne possède pas la boîte parce que j'ai fait pareil que le Chopper, j'ai jeté la boîte. Oui, je sais, c'est très con, mais bon, voilà. Donc voilà, on se rapproche un petit peu. Donc vraiment, c'est une très très belle pièce, hein. Même si c'est vrai que bon. Il a beaucoup vieilli, il faut le reconnaître quand même. Je vous vois venir, donc vous l'aurez remarqué, qu'il ne possède pas les fameuses... les fameux poils, ou piques, enfin bref. Les fameux poils qu'on est censé coller, j'ai jamais compris comment on les colle en fait. Donc ça aurait été pas mal qu'un jour quelqu'un nous les montre, comment coller. Même si je pense que sur YouTube depuis le temps, quelqu'un a dû faire. Moi personnellement, sur le moment, j'avais pas compris et tout, donc ça remonte en 2007, et ben c'est en 2007, j'ai jeté les poils, et vraiment, maintenant je suis dégoûté. Donc si un jour les poils sont vendus à part, je le rachèterai probablement, juste pour les coller, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu pauvre, enfin bref, voilà. Alors que normalement, il a quand même un look un peu plus vieux et plus beau quand même. Mais c'est voilà, c'est juste un petit détail de rien du tout. Comme vous le remarquerez, la chaîne manque en fait. Donc j'ai réussi quand même à faire en sorte que la cape tienne. Donc quand j'ai monté le Hot Toys, j'ai cassé la chaîne. Mais ça fait il y a très très longtemps. Mais bon, le tout c'est que de toute façon la cape est liée. Et puis c'est tout. Donc j'avais cassé la chaîne.
Bon, c'est une vieille pièce de collection, donc comme vous pouvez le voir, les cheveux ne sont pas du tout comme maintenant en caoutchouc. C'est du caoutchouc, mais dur, qui peut quand même prendre des formes. Oula, par contre, je vais poser juste la caméra, parce que le socle, lui aussi, commence à vieillir. Et c'est surtout, en fait, le torse de ce pauvre prédateur qui commence à super vieillir. Qui à l'intérieur commence en fait à un peu flancher, regardez comme ça. Donc ça flanche un peu, c'est un peu bizarre. Et c'est un peu dommage qu'il flanche comme ça. Donc voilà le fameux masque qu'on ne peut pas mettre malheureusement. Donc je vous le sors un petit peu pour le voir. Alors on peut pas mettre le masque malheureusement. Donc je vais vous montrer un petit peu. On peut, oui on peut, mais c'est bon. De toute façon la tête n'a pas été conçue. Pour mettre un masque, vous voyez, c'est vraiment voilà quoi, c'est pas trop adapté pour ça en fait. On peut le faire, mais c'est vraiment pas adapté. Donc voilà. Donc aussi le masque avec de très beaux détails, très beaux détails, un petit crâne de singe ou je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs j'ai jamais trop compris que les prédateurs chassent des petits singes. C'est un peu bizarre. Enfin bref. Voilà. Okay. Comme équipement, qu'est-ce qu'il a ce pauvre prédateur? Eh ben ce pauvre prédateur, bon je l'appelle le pauvre parce qu'il est un peu vieux. Ben ça, même si dans le film jamais il ne l'utilise. Ben, dans le film on le voit pas très longtemps non plus. Donc voilà, des mains changeables, mais ça fait longtemps aussi que je les ai perdues. Voilà, donc c'est un manque de sérieux complet de ma part, autrefois. La fameuse lance qui donne Alex. Donc très belle lance. Donc, très belle lance. Même si finalement, c'est la lance classique de tous les prédateurs d'Aliens Predator. Sauf que en plus, il a des lames de poignée. Sur les deux côtés et un peu plus et des petits détails assez sympa, c'est pas voilà quoi. Donc voilà rentrer donc bien sûr ça ne se rend pas ça non malheureusement, donc on peut rien y faire, mais bon de toute façon la lance RS sortie c'est comme ça. Voilà. Bon, parce que personnellement, c'est vrai que j'ai un petit faible pour ces styles de lance que plutôt ceux de Predator 2. Comme je pense pratiquement tous les fans. Donc, il a des lames rétractables. Même s'il n'utilise jamais dans le film, on le voit, mais 2 secondes, je crois, les lames. Enfin, vraiment. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a le shuriken fermé, ici. Il possède la petite lame ici, enfin le couteau, quoi, la lame, le couteau, en fait, tout ça. Comme vous voulez. Donc, là. Voilà. Comme pour le Chopper, le Celtic et le Scar. Et ne possède pas de plasma, bien évidemment. Donc. Donc voilà. Oula. Par contre, c'est un peu chaud parce qu'il a vraiment un socle. Voilà, donc la cape est très bien réalisée. Avec un tissu très doux en plus, très agréable à toucher. Malheureusement, c'est vrai que, bon, vous le verrez pas trop sur la vidéo, la poussière s'incruste assez vite. Et c'est plutôt difficile à nettoyer. Mais c'est vrai que quand je regarde dans la vidéo, ça donne une belle couleur. Non, mais il y a un peu de poussière, croyez-moi, c'est ce qui est dommage. Ça, on va dire que la cape reflète bien la luminosité. Ce qui est pas mal. Bon, même si ça a été un prédateur énormément critiqué, ben, tout simplement par sa cape. Parce qu'un prédateur avec une cape, c'est vrai que ça a incité un petit peu la curiosité, ou des fois un peu le dégoût pour certains fans. Oula, par contre, j'ai un petit peu... Ah. Un petit peu le dégoût, enfin bref.
Donc voilà. C'est vraiment un très très beau Predator avec... d'ailleurs, j'ai pas trop regardé la tête. Donc vous voyez, il y a plein de tatouages, tout ça, sur lui. Avec la fameuse marque. Comme quoi, il a tué une alien. Donc, on va lui remettre sa petite lance dans ce sens. Ah oui, bah quand même. Donc un socle, dirons-nous banal, simple, comme pour les trois autres. Un socle tout à fait banal. Hein. Donc lui, par contre, je n'ai pas jeté le socle comme j'ai fait pour le chopper. Heureusement, parce qu'en fait, j'ai retrouvé le socle, mais quelques temps après, en fait, je croyais que je l'avais jeté, mais voilà, heureusement, je l'ai retrouvé. Mais bon. Et aussi, ah oui, quand je vous ai retiré le masque, j'ai pas pensé. La bombe, bon, là aussi, jamais il l'utilise. Mais c'est sympa quand même de la part d'Otoys de nous avoir mis ce petit détail. Donc voilà, cette vidéo est finie. Ça a été plutôt court, personnellement, j'ai trouvé. Ben, par le simple fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipement sur ce Predator, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce que c'est relativement le même que le Chopper. Avec quelques, quand même beaucoup plus de détails, enfin, je veux dire, des détails en plus et en moins. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le LDR, mis à part que c'est une très très belle pièce de collection, et que il est magnifique. Voilà, hein, je pense que sinon j'ai fait le tour du LDR. Ouais, je pense que j'ai fait le tour du LDR. Voilà, voilà, voilà. Voilà, par contre, c'est sûr que... Oula. Donc vous voyez, le socle est... C'est pour ça que je les bouge très rarement, à part pour les vidéos, tout ça, ou quand je fais la poussière, sinon c'est vrai que les socles restent comme ils sont bah, jusqu'à la fin, quoi. Et voilà, donc je les bouge très rarement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est votre première, et je vous dis à une prochaine vidéo.